Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Sébastien Chenu. Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, madame la rapporteure, monsieur le président, c'est dans des circonstances un peu surréalistes, il faut bien le dire, où on a pu voir la République en marche renoncer à la transparence, renoncer à l'exemplarité, mais pas à l'arrogance, se recroqueviller dans les mensonges, se déshonorer et finalement déshonorer le Parlement, que vous avez choisi de poursuivre les travaux comme si de rien n'était. Non mais ça va aller là, François Pignon, Rébérotte, là, le dîner il est fini. Ah, voilà. Les semaines se sont écoulées. Et depuis la première lecture du projet, régulièrement marqué par de nombreux drames de l'immigration massive et incontrôlée, mais sans surprise, nous nous retrouvons face à un texte tout aussi inconséquent que le précédent, sinon plus encore. En effet, il n'y est ainsi plus même question de réduire de moitié le délai accordé aux déboutés du droit d'asile pour faire appel devant la CNDA. Que reste-t-il donc alors de ce texte? Je ne vois ici que des propositions faiblardes, ponctuelles, de gestion de flux de migrants. À aucun moment, il n'est donc question de prendre en compte les angoisses ô combien légitimes de nos compatriotes. La majorité de cet hémicycle distingue la question des migrants de l'essentiel, à savoir ce sentiment qu'ont les Français de ne plus vivre en France, et il en va de même dans le reste de l'Europe. Nos dirigeants, avec le mépris qui les caractérise, et l'actualité nous en donne de nombreux exemples, préfèrent accuser la lèpre populiste quand les résultats électoraux les obligent à se confronter à cette inquiétude populaire. Mais qu'est-ce donc que cette lèpre populiste, si ce n'est la réaction viscérale, telle un instinct de survie, de peuples qui ne se sentent plus représentés par des institutions prétendant parler en leur nom? Je veux saluer à cette occasion ici le courage et l'action du ministre Matteo Salvini, qui, se moquant des diktats et des humanistes de salon, s'en tient à appliquer le programme pour lequel il a été, lui, élu, et dont la ligne est claire, redonner à l'Italie le pouvoir de maîtriser son destin. Cela ne plaît pas à nos gouvernants, bien sûr. Visiblement, certains peuples auraient le droit de perdurer dans leur être, et d'autres non. Des pays asiatiques comme le Japon refusent l'immigration sans que cela perturbe nos belles âmes, bien trop occupées à insulter de tous les noms les pays d'Europe centrale et de l'Est, revendiquant leurs frontières. C'est que votre Europe de Maastricht s'est en effet construite sur la limitation des peuples à disposer d'eux-mêmes. La religion des droits de l'homme et de l'État de droit y a remplacé le droit de l'État et celui des peuples. À chaque image de navire chargé à craquer d'illégaux se déversant sur les rives de l'Europe, c'est l'opinion publique qui devient chaque fois un peu plus réfractaire à l'idée d'accueil. Et comment pourrait-il en être autrement? Les équilibres culturels de notre pays ont été bouleversés par une immigration non plus de travail, mais bien de peuplement, qui rouille les mécanismes d'assimilation, ceux-là même qui avaient pourtant fonctionné avec les immigrés européens, mais aussi vietnamiens ou cambodgiens. L'assimilation républicaine, nous le savons tous, est le plus cuisant des échecs français depuis les années 80, tandis que les phénomènes de délinquance généralisée et de radicalisation islamique sont devenus une réalité tristement banale. L'actualité de ce soir, d'ailleurs, et de cet élu de notre collègue UDI, séquestré par sa famille, qui souhaite lui imposer un époux en Algérie, et là où votre silence illustre une certaine forme de culpabilité, devrait vous rappeler tous vos échecs. C'est ainsi qu'à force d'être absurdement excessive, l'immigration a tué la tolérance migratoire. Le point de non-retour est proche. Selon les prévisions des géographes, c'est toute la jeune Afrique qui, par dizaines de millions, est en marche vers le vieux continent. Où nous parvenons à anticiper ce gigantesque mouvement de population, où nous disparaîtrons sous le flot migratoire. Et ce n'est pas cette série de mesurettes timorées qui, je le crains, seront d'une quelconque utilité lorsque viendra l'heure d'endiguer ce cataclysme. Des groupes esclavagistes extrêmement puissants sont en train de déstabiliser l'Europe et l'Afrique en amassant de gigantesques fortunes. Vous connaissez le prix d'une place sur l'Aquarius ou sur le Lifeline, 3 000 € par tête, récoltés par des mafieux qui rient à gorge déployée de votre bonne conscience et de votre stupidité. Ils dépouillent les malheureux de leur argent, les plantent en pleine mer et tirent les fusées de détresse, attendant que les Européens leur viennent en aide et les amènent sur nos côtes plutôt que de les reconduire dans les ports africains. Par leur passivité, nos dirigeants font preuve d'un aveuglement, d'une impuissance et d'une lâcheté qui a peu de précédent historique. Nous assistons à une véritable débâcle de l'autorité publique dans toute l'Europe et pas uniquement dans ce domaine. Cette défaillance est en train de déchirer le continent européen, de raviver les tensions entre les nations. Le droit d'asile, lui, n'a jamais consisté dans le transfert de population d'un pays dans un autre. Si nous voulons rester fidèles à notre notion même du droit d'asile, alors nous le réserverons aux véritables victimes des persécutions en examinant sur place des dossiers individuels par le biais de nos ambassades et nos consulats. Nous sauverons ainsi des vies en évitant aux malheureux de traverser la mer au péril de leur vie et nous mettrons nos pays à l'abri d'une immigration illégale massive qu'ils ne peuvent plus supporter. Tout cela nous donne aujourd'hui raison, tout continuera de nous donner raison demain. Ce projet de loi est donc inconséquent au regard des immenses enjeux qui nous attendent. Aussi, nous ne le voterons pas.
Nous continuerons de porter nos amendements dans le débat public comme autant de solutions et de réponses à votre aveuglement coupable. Coupable, un mot qui ce soir doit résonner bizarrement aux oreilles de la République en vrac. Merci, monsieur le député.